50 km au sud de Marrakech, sur le versant sud du Haut Atlas marocain, entre les montagnes de l'Anti-Atlas et la vallée du Dra, se trouve la région de Tata. Ici, la température peut atteindre des pics de 50 degrés en juillet et en août. Dans cette région, aux portes du désert, le climat est de type saharien, très aride, avec des précipitations aléatoires. Qu'ils étaient un bon lieu de production agricole avant, comme il racontait nos ancêtres. Il y a le henné, il y a les dattes qui se vendent même dans les moussums et les souks limitrophes de la ville, même à Agadir, à Marrakech. La région a été connue par ses productions. Durant plusieurs siècles, cette région a été un point de départ des routes caravanières, un lieu de passage et d'échange entre le sud du Maroc et l'Afrique subsaharienne. La vie et les cultures y sont concentrées dans 150 oasis. Elles sont anciennes et la diversité de leur peuplement témoigne d'une histoire longue et mouvementée de la région. La population de la province de Tata, estimée à 130 000 habitants, est berbère, arabe ou d'origine subsaharienne. Ces oasis sont des agrosystèmes fragiles aujourd'hui menacés par la désertification. Au fil des années, la palmière a desséché, les palmiers meurent. Plusieurs causes expliquent leur déclin. L'ensablement et la salinisation des sols réduisent l'espace cultivable. Le bayoud, champignon du sol qui dessèche le cœur des palmiers, fait périr les meilleures variétés. Mais la cause principale est la diminution des ressources en eau. Depuis les années 60, la pluviométrie est passée de 100 mm par an à 70. Dont dépend la vie des oasis provient essentiellement des nappes phréatiques, périodiquement réalimentées par des crues aussi brutales que soudaines. Tata se trouve alors coupée en deux, l'école ferme, l'activité s'arrête, seule la décrue permettra de retrouver une vie normale. Le système le plus utilisé pour mobiliser l'eau de ces nappes souterraines est celui des rétaras, système très ancien, originaire d'Extrême-Orient. La rétara est constituée d'une galerie drainante, puis d'évacuation amenant l'eau par gravité de la nappe phréatique jusqu'à la surface du sol. Tout au long de cette galerie, qui peut mesurer plusieurs centaines de mètres, on trouve de nombreux puits qui ont servi à sa construction et qui sont ensuite utilisés pour son entretien. C'est une rétara de ce type qui a permis la création et le développement de l'oasis de Taldunt, aux portes de Tata, il y a de cela plusieurs siècles. Après l'autarissement de Khtarat, les gens ont effectué certains efforts pour nettoyer les Khtarats, mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire sortir de l'eau parce que la nappe d'eau a baissé. Sans eau depuis les années 70, la palmeraie s'est dégradée et la population s'est trouvée sans activité, sans ressources et sans moyens de subsistance. Il
راني درت حل درت نتا قمل ناس زمان درت فرن بنص برا درت فرن فرنساني درت فرن سيبو درت فرن سكورشا تاوي نتنمك